Allô tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube, ici Kim et c'est aujourd'hui que je vous présente mon vlog où j'ai fait un road trip à Québec pour le Salon du livre de Québec, mais pas seulement. Puis en même temps, je voulais faire un petit vlog lecture, donc je vais essayer de bien séparer ça entre lecture et la portion déplacement vacances. Avec quand même un chien et un bébé de 8 mois, donc c'était quand même pas super facile. Pour être 100% franche avec vous, j'ai quand même hésité avant de publier cette vidéo-ci parce que premièrement, le montage était interminable, c'était vraiment très long, c'est une semaine de footage. Mais j'avais vraiment envie de le faire, tout ça. Mais niveau vlog lecture, je trouvais qu'on voyait pas assez la lecture, puis j'avais quand même de la difficulté en vraiment bien balancer ces deux portions-là, donc j'espère que ça va vous plaire quand même. Au niveau de mes updates aussi, je trouvais que des fois j'étais vraiment fatiguée, puis en réécoutant mon montage, j'étais comme « Mon Dieu, va te coucher, t'as l'air vraiment fatiguée », mais c'est ça, donc j'ai décidé de vous montrer tel quel qu'est-ce qui s'est passé, donc sans plus tarder, voici le vlog. 11h50, l'heure officielle de départ, parce que ça a été plus long que prévu à pacter, mais l'heure d'arrivée estimée c'est 2h30, mais on va faire un arrêt vers midi, non pas midi, vers une heure au rest area. Lydia, est-ce que tu veux ça? Lily! Il est présentement 9h30, Max est peut-être le premier patch, donc je vais continuer la lecture de comment je suis devenue cannibale. Je me suis rendu compte pendant que j'étais en train de le lire dans le tour, mais j'ai pas eu le temps de lire vraiment beaucoup, que c'est un livre pour ado. C'est pas grave, ça va me faire plaisir de lire quand même, mais vraiment drôle que je l'ai vu après. Eh bien! Bon matin! En fait, j'espère bon matin pour vous parce que nous, on a vraiment pas bien dormi. J'ai même fait des boutons de stress. On s'est couché à 7h45 pour une sieste, sauf que Lydia était quasiment partie pour la nuit. Vers 11h, Max et moi, on a dit bon, on va se coucher là, parce qu'elle se réveillait vraiment pas après avoir soupé et tout ça. Donc là, on vient pour se coucher. 5 minutes après, elle se réveille. Donc là, parfait, on l'allaite, on change sa couche juste avant de se recoucher pour la nuit. Et non, de 11h à 3h le matin, elle a hurlé. On pensait l'endormir, finalement non, la pleure pour ci, la pleure pour ça. C'était l'enfer, l'enfer là. C'était une nuit à oublier. Puis évidemment, à 7h le matin, elle est réveillée, pas de problème. Fait que j'ai dormi 3h30. Maxime, une petite affaire plus parce que j'ai été en bas dans le bistrot pour aller chercher nos déjeuners inclus avec l'hôtel. Alors, je les ai remontés à la chambre. Mais sinon, là, je viens d'aller promener Patch. On a fait un petit tour dans le coin. On a fait ses besoins et tout ça. Il était super fin. C'est ça, fait que on va voir ce que cette journée a à nous offrir. Mais j'espère que ça vient avec beaucoup de caféine. Thank you.
On est présentement dimanche matin, mais pour faire un petit suivi d'hier, vite, vite, ça a super bien été. Au centre du livre, elle a été super tranquille. Elle a très, très bien fait ça. Puis sinon, on est revenu, elle et moi, à l'hôtel à pied. C'était comme une vingtaine de minutes. Les côtes étaient tellement à pic, là, je tenais la poussette vraiment, vraiment serrée pour être sûr que je glisse pas quelque part puis que la poussette me dévale la longue côte. Mais bref, ça a vraiment fait du bien prendre de l'air frais. Elle a dormi tout le long. Pendant ce temps-là, Patch et Maxime étaient comme à une demi-heure et plus pour profiter du grand air dans un parc. Sinon, après, on a été voir un magasin que j'avais envie de voir, Woman's, qui était comme à une quinzaine de minutes de l'hôtel. Sinon, c'est ça, en soirée, on a été pas mal relax. On peut pas faire grand-chose à l'hôtel vu que dès qu'elle dort, ben nous, on doit pas parler. Donc, on a essayé de dormir en même temps qu'elle. Pour l'endormir, ça a été pas mal mieux hier que la veille. Ce matin, dimanche, je me suis réveillée à 6h30, je l'ai nourrie, je l'ai changée, puis ensuite recouchée. Puis j'ai été déjeuner à l'hôtel, donc dans le restaurant bistrot tout seul. J'ai fait une petite gaffe aussi. En ouvrant le petit cop de lait pour le café, je me suis tout renversée dessus. Donc ça, c'est moi et ma maladresse légendaire. Sinon, c'est ça, j'ai pu lire un petit peu. Puis après, je suis montée à la chambre, j'ai été chercher Patch. Puis on a été faire une petite promenade pour lui dégourdir les pattes parce que lui, ça fait quand même longtemps qu'il est dans la chambre et qu'il ne peut pas sortir aux toilettes. Donc ça faisait du bien. Voilà, aujourd'hui, le plan, ben là, il est 9h et quelque chose. Donc ça va être dès qu'elle se réveille, on lui fait prendre son déjeuner. Ensuite, Maxime va prendre un petit déjeuner aussi. Puis on ramasse tout et on s'en va pour 11h. Donc on vous tient au courant pour ce qui s'en vient. Puis c'est ça, on va partir d'ici pour aller jusqu'à Témiscouata sur le lac. Le Airbnb 1 sur 2. Puis en ce moment, ça commence à s'éclaircir. Donc on va peut-être même avoir du petit soleil pour la route. Ça va être plus agréable. Je t'ai dit pour une petite update. Donc, pendant le trajet pour s'en venir de Québec à Témiscouata-sur-le-Lac, j'ai terminé comment je suis devenue cannibale. Donc, j'ai vraiment clenché ça puisque ça a été vraiment mieux avec la petite et tout ça. Donc, je dirais que c'était un 3,25 sur 5. C'était bien. C'était un livre, dans le fond, qui est plus ou moins une histoire. C'était surtout. Ça s'appelle L'histoire d'une histoire. Puis c'était vraiment pour expliquer, j'ai l'impression, puisque lui c'était un conférencier. C'était vraiment pour expliquer aux jeunes, surtout ceux qui sont en français au secondaire, les intéresser vraiment à la création littéraire, comment ça se passe pour écrire un roman, etc. Donc il y avait une petite histoire comme l'exemple, mais c'était vraiment pas développé, je trouve. Mais c'est quand même super intéressant de voir son avis, comment qu'il élabore ses plans de roman, parce que François Gravel est quand même à plusieurs romans. Alors, puisque celui-ci est terminé, je vais sauter tout de suite au prochain. François Blais de l'excellence du profilage publicitaire. Ça, je vais lire des courts livres, premièrement parce que ça porte mieux en vacances, puis deuxièmement parce que je voulais être sûre que j'en finissais plusieurs dans ce vlog. Donc ça, j'ai aucune idée c'est quoi l'histoire. J'ai lu juste le titre, puis je me demandais à quel point c'était fiction ou qui allait nous en apprendre. Donc je vous reviens avec ça, ça devrait être aujourd'hui l'update. Et tant qu'à vous avoir, je vous avais pas fait vraiment mon plan lecture avec vous, donc je vais le faire tout de suite. Les autres livres que j'avais apportés, les deux seuls autres, Anne Hébert, Kamouraska, puisque je suis présentement à Témiscouata sur le lac. Je me suis dit que ça allait être l'occasion jamais de lire ce livre-là qui était dans ma
puis la lire. Et le dernier, je l'ai reçu juste avant de partir, mais j'avais envie de l'apporter parce que je l'avais loué à la bibliothèque vu qu'il n'arrivait pas, mais finalement, je l'ai reçu des éditions Saint-Jean. Alors, c'est Troisième acte par Joanne Tremblay. Donc, j'ai hâte de lire ça aussi, tous les livres qui ont rapport au livre. C'est comme pas mal la thématique avec le Salon du livre de Québec. Donc, ça va être dans mes prochaines lectures. Alors, donc, on est à la fin de la journée du lundi. On a pris ça vraiment relax aujourd'hui. J'avais même pas de café. Donc, on a eu une tentative, mais en tout cas, c'était terrible avec la machine qu'il y avait ici. Donc, j'ai pas eu de café. Bref, j'ai été amenée ce matin de l'excellence du profilage publicitaire par François Blais. Là, j'avais commencé un peu Anne-Hébert-Kamouraska, mais là, je le continue. Il est présentement presque 9h, donc je vais faire ça jusqu'à temps que j'aille me coucher dans une heure ou deux environ. À voir! Alors, on est présentement mardi le 12 avril. J'ai décidé hier de laisser tomber Kamouraska. J'ai lu juste quelques pages, puis j'étais « Oh, c'est pas mon verre! » Puis après, j'ai lu en arrière le résumé que j'avais pas fait avant de l'amener. Puis, non, c'est pas vraiment ça que j'ai envie de lire, finalement. Donc, je lis officiellement DNF. Ce matin, j'ai fait le plan de mes lectures, donc dans mon cahier qui regroupe vraiment tous les détails de mes lectures, qui me permet vraiment de garder un suivi sur les lectures que j'ai officiellement lues. Alors, puisque Kamouraska, c'est dead, on va aller tout de suite avec le dernier livre que j'ai apporté, Troisième acte par Joanne Tremblay. Je vous tiens au courant. Petit update, on est arrivé au deuxième Airbnb. Ça s'est passé correctement pour le transport. La première partie, ça a vraiment bien été parce qu'il était 11h, on devait quitter l'autre Airbnb, donc c'est son heure de sieste. Ça a super bien été. Franchement, on a fait deux arrêts. Le premier, ça a bien été. On l'a sorti, il faisait super beau, super chaud, donc c'était de notre côté. On a arrêté un peu plus tard au parc Beau Séjour, je pense. Puis là, c'était comme à l'entrée de Rimouski, donc on est arrivé. Puis du parc jusqu'au Airbnb, c'était comme 24 minutes, puis on a pleuré pas mal tout long. Mais qu'est-ce qu'on peut faire, hein? C'est ça pour l'instant. Patch aime beaucoup la vue dehors, puis ça file vraiment comme un beach house, donc une maison sur le bord de la plage. C'est vraiment agréable. Allô! Petit saut dans le temps, donc on est vraiment plus tard. On a eu le temps de jouer une game de Dominion. On a eu le temps d'aller faire l'épicerie et même de souper, donc là, on relaxe un petit peu. J'essaie de l'avancer le plus possible. J'ai lu une 60aine de pages. C'est juste vraiment dur de lire avec la petite dans l'auto, c'était pas évident. Donc oui, c'est ça, quelques mots sur troisième acte. Je trouve ça vraiment bien à date.
pas ce que je pensais, mais en fait, j'avais oublié encore une fois de lire le résumé en arrière, mais c'est correct. Donc, j'ai hâte de voir comment ça va se développer. J'ai une petite idée, fait que j'ai hâte de voir si ça va se concrétiser. Je vous tiens au courant. Allô, donc présentement, on est jeudi le 14, donc l'avant-dernière journée. Hier, j'ai lu jusqu'à 10 heures. On s'est pas couché super tard. On suit pas mal les beats de Lydia en vacances. Donc, on se couche tôt et on se lève tôt. Donc, je me suis levée autour de 6 heures ce matin. Donc, là, je suis rendue à page 110, donc presque au chapitre 21. Et je le trouve un petit peu problématique. Je me souviens pas si je vous avais dit l'histoire, mais dans le fond, c'est un scénariste qui a de la misère à trouver de l'inspiration pour trouver une idée qui va lui permettre de vendre un scénario à une série télé. Mais là, le producteur lit ses idées, puis ils sont pas très inspirés. Donc là, il ressort ses personnages, puis essaie de trouver l'idée qui va lui permettre d'avoir un contrat. En ce moment, il est obligé de faire l'enseignement sur le côté pour pouvoir y arriver. Donc là, dans le premier acte, qu'est-ce qui se passe? C'est que tous les personnages qu'il a comme un peu laissés tomber, ils vont se ramasser tous au même endroit de façon abrupte parce que ben François, le scénariste, a décidé de les mettre de côté ou de les abandonner. Là, je suis rendue dans le deuxième acte, peut-être à la moitié, puis ça marche pas vraiment, là. Au début, j'étais un peu intriguée, un peu intéressée. Sauf que là, le problème, c'est qu'on a complètement délaissé l'histoire A. Donc, ça fait au moins 6-7 chapitres comme faux qu'on parle plus de François, le scénariste, du tout. On fait juste voir les personnages remplacer d'autres personnages dans des histoires. Ce qui est... Comment dire? C'est comme si tu me racontes l'histoire de quelqu'un. Fin, ça a l'air intéressant. Je me plonge dans son histoire. Puis là, c'est le personnage de l'histoire d'avant qui s'en va remplacer un autre. C'est tel que tel. Sauf que là, la phase que je suis complètement désinvestie dans la quête de François, puisque ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. Alors, je me demande encore s'il est en train de travailler. Je me demande encore si son projet avance. Je me demande quels personnages vont réussir à l'inspirer suffisamment pour qu'il puisse réussir à compléter son histoire. Mais là, c'est ça, j'ai plus vraiment de... d'intérêt vraiment. Là, je vais continuer, c'est sûr, là, parce que je veux savoir comment ça va se passer. À date, ça va vraiment pas comme je pensais. Moi, je pensais que les personnages de rejet allaient se mettre tous ensemble pour essayer d'inspirer François, mais dans une histoire différente. La seule affaire, c'est que là, leur plan à eux, c'était de se creuser eux-mêmes plus en profondeur, d'apprendre à se connaître, peut-être même changer leur histoire, tout ça, tout en restant un peu qui ils sont. Sauf que ça marche moyen, j'ai l'impression. Ils s'insèrent juste dans les trames narratives d'autres personnages qu'on sait même pas d'où ils sortent vraiment. C'est comme si je t'ai dit, tiens, rencontre telle personne, t'as connais pas, mais son histoire est intéressante. Tu sais, c'est pas mal écrit. Je vois vraiment beaucoup de potentiel. C'est juste qu'en ce moment, je trouve que la chronologie est problématique. Elle aurait dû être un peu mieux encadrée, ou en tout cas, juste nous ramener à l'histoire A principale plus souvent, j'ai l'impression. Donc, je vais continuer. Je suis presque rendue à la moitié, pas complètement, mais presque. Puis dès que j'en sais plus, je vous réupdate, sinon à la fin complètement pour vous dire mon avis. Bon, je suis rendue à la page 118, ça n'a pas beaucoup avancé depuis tout à l'heure. Je suis au chapitre 23, juste au début. Puis, dans le fond, c'est un petit peu décourageant parce que là, je commence avec un nouveau personnage qui s'appelle Fabien, que j'ai jamais entendu parler avant. Puis, j'ai regardé le dernier chapitre que le personnage principal a été mentionné, le scénariste François, c'est au chapitre 11. Fait que ça fait comme 12 chapitres qu'on ne suit pas son histoire. Fait que c'est pas très motivant comme à se replonger dedans. T'sais, on fait des pauses parce que j'ai joué à Dominion tout à l'heure, mais c'est ça, quand c'est le temps de m'y remettre, c'est comme. Okay. Sur quel personnage va tomber, aucune idée. Ça va être quoi son lien avec l'histoire, aucune idée. Donc, pas full motivant. Alright, fait que là, il est 9h. On est le vendredi 15, puis ça va prendre à peu près 5h30 à retourner chez nous. En théorie, si on fait pas d'arrêt, si on y va Regardez le d'un monde. coup. C'est 563 km. Ça dit qu'on devrait arriver vers 2h33 p.m. Mais réalistement, avec toutes les arrêts qu'on va faire, Ça va prendre plus de temps. Mais ouais, on va se rendre. on fera pas de Paris, mais on espère que tout va bien aller. Thank you.
on est de retour. Ça s'est bien passé pour le trajet jusqu'à la maison. Elle a dormi en fait les deux premières heures, ce qui a vraiment fait du bien. Puis à la fin, j'ai conduit la dernière heure et demie, puis tout s'est très bien déroulé. On était censé arriver à 2h35 si on faisait aucun arrêt. On en a fait 4 d'environ une demi-heure. On est arrivé finalement à 4h45, donc il faisait encore soleil, tant mieux. Pendant le trajet, avant de conduire évidemment, j'ai terminé le livre troisième acte, donc je me suis rendue au troisième acte pour la durée du trajet. Puis ça a confirmé ce que je pensais. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné avec moi. Je dirais pas par contre que c'est un mauvais livre parce que je trouvais que l'idée était bonne, pas originale, 100% jamais vue, mais elle était bonne. Comme j'ai dit plus tôt dans le vlog, c'est pas que l'écriture était mauvaise, au contraire, ça se tenait vraiment bien puis ça l'allait. C'était vraiment au niveau de la chronologie, des choix qui ont été pris, puis le fait que l'histoire B avait plus d'importance que l'histoire A. Pour moi, j'aurais fait d'autres choix, c'est tout, puis j'aurais préféré autre chose. Mais, ceci étant dit, si la prémisse vous intéresse quand même, c'est-à-dire des personnages de la tête d'un écrivain qui prennent forme, puis qui veulent vraiment exister, et qui demandent à leur créateur de continuer d'écrire pour eux afin qu'ils puissent avoir leurs propres histoires, essayez-le. Moi, personnellement, c'est ça, ça l'a vraiment juste pas fonctionné avec moi. J'étais pas investie dans la quête, j'étais pas investie dans les personnages non plus. C'est ça, si vous, les personnages vous parlent puis vous ont intéressé, ça va vous intéresser leurs histoires. Vraiment, l'autrice a réussi à peindre un portrait assez réaliste, une histoire assez crédible pour chacun des personnages. C'est juste que je voyais pas le but autour. C'est comme si je te raconte la vie de telle personne, c'est intéressant, j'y crois, tout va bien, mais ça mène à quoi, c'est quoi le but? Il manquait un petit quelque chose pour moi. Voilà tout. Alors voilà, c'était tout pour le résumé de mon voyage et de mes lectures. Pas des lectures top malheureusement, ce qui m'a amené à me questionner sur si les lectures d'un vlog ne sont pas bonnes. Est-ce que ça fait en sorte que le vlog n'est pas bon nécessairement? Dans le sens, le feel général. C'est sûr que c'est mieux quand tu lis un coup de cœur puis tu le découvres puis là c'est super intéressant d'en parler versus quelqu'un qui se plaint parce qu'elle embarque pas puis elle a de la misère à continuer. Mais bon, je serais très curieuse de connaître votre avis là-dessus dans les commentaires. Laissez-moi savoir si vous avez quand même été diverti. Alors ça, en conclusion, c'était quand même un super beau voyage. On a aimé ça, faire de la route. Nous, on n'est pas très avion, on est vraiment en route. C'est sûr qu'on aurait voulu faire plus d'activités, mais c'est quand même assez restreignant avec un chien et un bébé. Ça demande beaucoup de matériel, ça demande aussi des adaptations. Donc c'est pour ça aussi qu'on a fait moins de choses qu'on pensait, entre autres aussi à cause de la météo et surtout de notre énergie qui n'était pas au meilleur niveau. Mais en gros, j'espère que vous avez été divertis. Si c'est le cas, donnez-moi un like et laissez-moi savoir en commentaire ce que vous en avez pensé. Je vous souhaite une très bonne journée. À la prochaine!